Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Return of the Obra Dinn. Je suis désolé d'avoir coupé l'épisode comme un cochon, je voulais fermer le livre. Donc on va reprendre. Très bien. Alors attendez, je me remémore un peu la scène. Il y avait trois types. Full Arman. Ah non, tire ce type man. Et... avait le Danois et ce mec chaud qui lui a donc éclaté la tête à coups de massue. Très bien. Très bien, très bien. J'ai les infos. Formidable. Je trouve l'ambiance musicale de ce jeu d'essayer très bien réussi. Ouais, beaucoup de monde sur le chapitre. Hein. Disparition, suite de qui s'agit-il? Oui, il y a plein de choses, on n'a pas d'informations. Exactement. Sept âmes ont disparu au cours des événements du présent chapitre. Leur destin se continue ici. Certes. Il y en a, ils me disent qu'on peut déjà les identifier. Hein. Genre lui, par exemple, il est flou, mais lui, genre, on est censé savoir qui c'est. Lui aussi. Lui aussi. Alors que... non, pas du tout. Très bien. Très bien, très bien. Donc ce monsieur-là est mort. Je n'ai pas la bleu-blood, je n'ai pas la gigote, ce monsieur-là est mort. Ça c'était... ah oui, alors ça c'était désastre. Donc maintenant qu'on a compris désastre, il faudrait que je descende. Je crois tout en bas. On avait un truc. Est-ce qu'on avait un truc? Toi on t'avait fait, non? What's going on? Stay back! It's already going to Nick. Hey! Come on, boss! No! Get there! Hey! Cats! Ah! Certes. Donc la bestiole en question. Sur qui il lance une hache. Qui l'appelle boss. J'aille voir en haut s'il y a, il y a quelque chose. Alors. Un démon, un démon. Alors, est-ce que c'est une... est-ce que c'est un mot de langage? Ça peut être intéressant de le savoir. Deux secondes, je sors un Wikipédia. Je suis désolé, je suis pas un champion de la langue. On va essayer de trouver, on va essayer de trouver ça. Ça a l'air d'être anglais. Ce que je peux vous dire. J'essaie de trouver l'expression entière. Parce que le truc. Prononcer Timon, Timen, du grec, il débat. Non, mais non, ça, non, ok. J'ai pas l'info, j'ai pas l'info, donc on va faire sans cet élément. On va faire sans cet élément. Très bien. Donc déjà, je peux déterminer ta cause, hein, mon ami. Tu as été empalé, hein,
bien sûr, empalé par la créature, par une créature monstrueuse. Ce qui m'amène à... j'ai pas vu d'autres cadavres. Parce que toi, tu te fais empaler, très bien. Toi, tu n'es pas encore mort. Mais à vue de nez, ça ne va point tarder. Ça, c'est notre ami le Danois. Notre Danois qui se fait tuer, je crois, par toi. C'est toi qui le tueras, sauf erreur de ma part. Et pour une histoire de frère empalé. Est-ce que tu serais pas le frère? On n'a pas trouvé de nom de famille commun. Sur le pont d'Avignon. Ouais, ok, d'accord. Donc sur le pont d'Avignon, voilà. J'avais pas du tout fait gaffe au calamar géant, là, à travers lequel on peut quasiment passer. D'accord, on a vraiment une créature sur une créature. Hein. C'est une histoire de créature. Ah! Alors toi, t'as été clairement transpercé par une lance, par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'ailleurs, tu es qui, toi? J'ai pas regardé qui tu étais. Là, on a un qui essaie de rester en vie. D'accord. Là. Toi, tu es mort. Okay. Tu n'as plus son identité, ça, là? Ouais, ça déconne un peu. Ok, c'est ce mec-là. C'est parti. Alors, tu as pris un coup de lance par la créature, monsieur. Tu es inconnu au bataillon. C'est bien ça. Hein. Tout à fait. Thank you.
en vrai, là, on a un gros renseignement. C'est-à-dire que tous ces gars-là, tous, hein, toi compris, hein, toi également. C'est important, ça, pour la photo de classe. Pour la photo de classe. Ces gars-là, attrapé par la foudre, tous ces gars-là normalement sont des gabiers. Ça veut dire normalement, s'ils sont sur les voiles, normalement ce sont des gabiers. Qui parle? Pas toi. Dommage. Mais c'est le perroquet. Voilà. Voilà. Très bien. Cause de la mort. On va rentrer ta cause, ceci dit. Électrocuté. Alors, ce qui est une faute, concrètement, je tiens à rappeler qu'il a été électrisé. Attention. L'équipage, plutôt... Les gabiers, il y en a combien? Je suppose qu'ils sont tous rochés à la queue leu-leu. Ah, ça pourrait être ça. Hein. On a un écossais, on a des chinois, un anglais, un Nouvelle-Guinée, deux anglais, un Nouvelle-Guinée et un russe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gabiers. Ah, il y avait un perse aussi, c'est ça? Ouais, il y avait un perse. La Nouvelle-Guinée. Alors, le fakir, c'est le perse. Très clairement, c'est le perse. Est-ce qu'on peut avoir. Voilà. Sur les flots. Royauté de Formos. Que des gens qu'on ne connaît pas. Formidable. La justice en mer. C'est tout ce qu'on a en photo. Ok. Donc là, pour moi, là-dessus, c'est la photo de type. Vous avez tous les matelots et les gabiers. En gros, vous avez l'équipage de base indispensable. Et toi, monsieur, je pense que tu es le Perse. Ceci est une cote de déduction. Cote élevée signifie qu'il sera plus difficile de déduire l'identité de cette personne. Concentrez-vous d'abord sur les identités faciles à déduire et gardez les plus difficiles pour la fin. Je suis d'accord. Mais là, lui, mec, c'est le Perse. C'est un gabier. Et il est Perse. Et son sort est pour l'instant indéterminé, mais je le note. Je pense qu'il est Perse. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais déduire d'autre avec cette scène? Est-ce qu'on a un Guinéen dans le... J'ai pas bien écouté son accent. Parce qu'il y en a aussi qui peuvent être russes. Hein. Le problème, c'est... là vraiment, j'avoue que ma difficulté, ça va être pour différencier les Asiatiques les uns des autres. Toi, je sais pas ce que t'es non plus. C'est un peu dommage. On aimerait bien savoir qui tu es, toi aussi. Tu n'es clairement pas le français. Parce que je ne sais pas toujours pas qui est le français. Voilà, donc ça pour moi, c'est le Perse. Hein. Il est sur la voile comme Jaja. Tu es le Perse. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui hurle des ordres? Parce qu'il y en a un qui parle à un moment donné. Avançons. Oh, mais il y a de l'arbre ici. Il y a des gars là. On va pas les checker. On peut pas les voir. Très bien. Quittons ceci. Ok, très bien. Vous savez ce qu'il faudrait? C'est un bon résumé des épisodes précédents. Je pense que descendre plus profondément dans ce navire finira
finira par nous en dire un peu plus. Crâne. Parle-moi, crâne. Hitter here. One swing. Get true to skull and stone her brain. I'll cut her throat when you've done it. Here? Yeah. Come on before she kicks up. You all right there, sir? Never been on a farm, chap. Mind your shoes now. Très bien. Alors, le mec qui vomit, toi, tu es Charlie. Tu es Charlie. Il t'appelle Charlie, les gars. Alors attention, parce que tu n'es peut-être pas Charlie. Tu es peut-être, genre, par exemple, le bossman en second. Et tu, dans ces cas-là, tu serais le français. Genre Charlie pour Charles. Ce serait pas improbable. Charlie. Là, on a notre Charles. Un aspirant. J'ai deux Charles. Et j'ai zéro Charlie. Donc Charlie, c'est bien un surnom. Sauf que j'ai deux Charles. Ce qui ne m'arrange pas beaucoup. Alors attendez, j'ai pas regardé les noms de famille. Il est possible que ce soit un nom de famille aussi, bien que ça m'étonnerait. Dans d'autres cas bien précis. En tout cas, les gens l'appellent Monsieur. Alors attends, d'ailleurs, l'autre Charles, il était quoi? Il était matelot, je crois. Hein. Je vérifie ça. Excusez-moi. Ça prend un petit peu de temps. Charles, aspirant Angleterre. Ah non, c'est un aspirant. Donc un aspirant officier, très bien. Très bien, très bien. Jette un œil encore un petit peu. Soit c'est un français, soit c'est un anglais, soit c'est un inconnu. Ce qui est possible aussi. Les, littéralement, ils sont derrière les officiers, les aspirants. Toi, vu le tablier, je pourrais présupposer que t'es le boucher. Chez Charpentier, enveloppez-le et administrez les derniers sacrements. Il faut la taper là, un seul coup, il faut traverser le crâne pour atteindre la cervelle. Je tancherai la gorge quand tu l'auras fait. Ici, ouais. Allez, avant qu'elle se relève. Ça arrive, monsieur. Alors, Charlie, t'as jamais mis les pieds dans une ferme? Attention à vos chaussures. J'ai bien compris que lui allait être mon prochain cadavre. J'en ai saisi la substance, l'essence de la substance. Ce n'est pas exactement ce que je souhaite voir tout de suite. Bonjour.
toi t'as l'air d'être sur ton lit, d'être malade comme un chien. Si c'est fermé. J'ai besoin d'aller voir le petit bateau. Venez dire s'il vous plaît monsieur. Je suis ici au pont inférieur et je suis donc dans l'infirmerie. Parle pas plus. Est-ce que par hasard tu serais le chirurgien, Henry Evans? D'accord, là les quartiers à ce niveau-là. Équipage. C'est passager bureau, coursif bâbord, coursif tribord, atelier du charpentier Sainte-Barbe. J'ai pas essayé d'aller voir vers le atelier du charpentier, voir si on pouvait identifier le charpentier vite fait. Same as the other fellow. Some lung disease, not consumption. Made worse by the cold. Will it spread? If so, we'd all have it. They must have picked it up at the Lasker house. I checked all hands just now, and everyone is healthy. And him? What are his chances? I gave him some laudanum. We'll see. Сайяд? Сайяд Урту! Кутпил! Сайяд!
sait pas qui c'est. Quand on sait que les deux autres c'est des Russes. Au moins deux autour de cette table sont des Russes, si ce n'est plus d'ailleurs. Allons jeter un œil à l'équipage. Des Russes, il y en a combien à bord de ces navires? Je regarde pas la bonne case déjà, donc ça on va bien là. 3 Russes. Clairement. Ah, ça pourrait me permettre d'identifier un des gabiers. Je pourrais identifier un des gabiers. C'est-à-dire que si l'un des trois Lascar autour de cette table. Alors attendez, faut que je me marque leur tête là. D'accord. Ouais, toi c'est bon, je te retiendrai. Et toi? Ok, alors attendez. Les deux là. Deux est chiant, ok. Donc, mec de gauche et mec de droite, c'est ça? C'est un mec de gauche, mec de droite. Ils se ressemblent tellement les deux mecs. Ok, et le moustachu. Je peux peut-être identifier l'un d'eux comme étant un gabier. Il faut voir. Il n'y a pas une porte quelque part. Si, ouf. Monsieur, tu es un gabier. Russe. On est vraiment coupé. Très bien. On a un certain nombre d'éléments. Mais nous n'avons pas tout. Par contre, on ne peut pas l'ouvrir. No! You're cut! Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Reed's mother I try my best. Aye. To pull him back to safety. You tell her yourself. Brennan! Bring the surgeon's kit! C'est un accent qui roule. Je peux rien certifier là. Faut pas être mauvais en accent. De faire la différence entre de l'irlandais, de l'écossais, du gallois, du danois, du putois, de tout ce que tu veux là, ils ont tout mis quoi, du renard, du chacal, du... Normalement, t'es gentil quoi. Caribou bien sûr. Également.
Là, ça sent les embrouilles. Là, on entend déjà. On est bien sous l'eau. Un petit cadavre donc d'araignée des mers qui on est. On est où ici là? Toi, c'est ambigu, hein. Là, nous sommes dans l'ambiguïté. Il y a une lance en effet, mais il y a également des pattes et des pinces. Donc, j'ai opté pour un petit coup de lance asséné par une créature. Voilà. Porte. J'ai entendu la porte. Ici. Sénette isolée. Et on n'en apprend pas plus. Ça commence à faire plus de morts que de vivants là. Me direz-vous, c'est un peu le but du jeu.
Alors après, il y a certains éléments auxquels je pensais, pareil, les matelots, on avait identifié plus ou moins les gens qui dormaient à l'étage des matelots de l'équipage. Donc éventuellement, on pourra y jeter un œil. Pour voir ce qu'on pourrait identifier, mais je pense plus tard. Je vais regarder ici, hein, évidemment. Évidemment. J'ai trouvé la picole. J'ai trouvé le rhum. Tout va bien. Ok. Voilà, la cargaison, hein. Ok, j'ai vu le cadavre. Je vais aller voir ça après. Je vois. Je vais voir s'il n'y a pas un cadavre qui traîne par là. Non. Clairement. Donc là, on a une porte de cellule, là. Qui a l'air fort sympathique. Keep pressure here. Hold him down. What madness is this? 20 years my steward, and never a doubt on your sanity. Explain yourself. Those ungodly beasts carry a curse. Throw them back or doom us all. Tie him up and put him in the lazarette with those things. He may yet find his senses. Come on. All's fine, John. Been in worse spots, I think. Where's the rest of his leg? Ok. Donc là, il y a quelques petites certitudes qu'on peut avoir. Toi, monsieur, tu es chirurgien. J'ai décidé que tu étais le chirurgien. Voilà, c'est ma décision. Toi, j'ai décidé, petit homme, tu t'appelleras Jones. Toi, tu t'appelles John. Quatrième lieutenant, on va peut-être pas présumer que t'es quatrième lieutenant. Bien que, pas impossible finalement, mais non. Je ne pense pas que tu sois quatrième lieutenant. On doit avoir un autre John à bord de ce Rafio. John. Un Gallois. J'opte pour le fait que tu sois un Gallois. Je sens bien. T'as pas de tête de Gallois. C'est pas lui. Non mais c'est pas lui. C'est lui. Tu as été tué, comment dire? T'as été opéré. La série, c'est pas valable. Et on ne sait pas. Je ne peux pas présumer de tout cela. Tu en seras indéterminé. Non, non, calmez-vous bien. Mais genre, vraiment, calmez-vous bien. Donc là, on a 10 de police. Ça fait police là ici. Hein. Police, qu'est-ce qu'on fait? Ok.
Ah, ils sont deux à porter un tablier. Je ne la passe. Hein. Moi, j'aime pas ça. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de monde là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, vous avez ramené un brancard pour ce type-là. Bordel. On parle d'un bordel. Ah, mais il y a lui aussi là-bas, là. Attendez, on parlait d'un bordel. Je peux le voir ou... Ouais. T'es le premier lieutenant. Qui est censé gérer la campus dans ces foutus navires à la mort moelle neuf? S'il vous plaît, il me faut le glossaire. Dans le glossaire, nous allons donc pouvoir trouver peut-être... responsable ainsi que de l'équipement nécessaire à faire naviguer le navire. Donc, non. Non plus. Commissaire, agent administratif, supervise la cargaison et les transactions commerciales de petites fournitures pour l'équipage. Pour être le commissaire, charpentier, non. Non, c'est pas le timonier non plus. Ce sera pas un aide ni un aspirant. Officier information. À bord d'un navire, statut généralement privilégié, très bien. Chargé d'exécuter l'état général pour le confort de son employeur. Donc, le vraiment machin. Je fais beaucoup de suppositions. Par définition. Ouais, il y a un sabre et du sang, mais je pense que c'était pour charcuter la guibole. Est-ce qu'on peut revoir ton cas? Pour revoir ton cas, c'était captif impie. Oui, on démarre par la fin, évidemment. Maintenant, une pression ici. Empêchez-le de bouger. Que signifie cette folie? 20 ans que vous êtes mon aide. Et jamais je n'ai eu à douter de votre raison. Expliquez-vous. 20 ans que vous êtes mon aide. D'accord. Un radar, pauvre imbécile. Que vous êtes mon aide. Donc là, le mec qui se fait coffrer, c'est l'aide du capitaine. Voilà. En plus, t'es un vieux monsieur, c'est parfait. Ne serais-tu pas par hasard l'aide du capitaine? Aide du capitaine. Et c'était un suédois. Tu me sembles parfait. Parfait. Tu me sembles parfait. Pour le job. Il faudrait que je réentende cette scène pour essayer de me remettre l'accent de la situation. Dans les oreilles. Et radar. Pauvre imbécile. J'ai envie d'aller chercher la traduction. Je m'excuserai. Hein. Si je tape, hein, radar, sans accent. Une green touch de flugu et radarar, ça a l'air d'être ça a l'air de taper au cerveau. Est-ce qu'on peut avoir la traduction?
Ça nous donnerait quelle langue? C'est indien, hindi. C'est indien. Donc, on a un indien sur la scène. Très important. Très important. Alors, qui est-il? Mais bon, messieurs, me direz-vous. Donc là, je suis censé pouvoir identifier un indien. Serais-tu indien, toi? Ah non. C'est le bossman, lui. Et le bosco. Oh, tu serais un indien? Allez voir. Je pense pas que la scène vous concerne en fait, ceux qui sont en haut. J'ai une info là, mais je vais la laisser fuiter. Allez, vas-y, on voit. Bah oui, oui, il faut t'es là, de toute façon. Des embêtants, point. Là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Accident à la con. Oh le charpentier! Oh le charpentier, t'es grillé ma gueule! T'es grillé ma gueule! Donc, il est tellement content d'avoir grillé quelqu'un. Excusez-moi. C'était la folie. C'était le moment, l'instant, la tenue du charpentier, bien entendu, évidemment. Monsieur. Monsieur. Et le charpentier, monsieur. Ah oui, mais est-ce que tu es le maître charpentier ou est-ce que tu es le deuxième? Winston Smith ou Marcus Gibbs. Admettons. Admettons. Que... Ouais. On envoie plus son second vérifier ce qui se passe dehors. Tu serais le second. Eh oui, tu envoies ton second vérifier ce qui se passe. Tu vas pas comme ça, tu te stresses pas, tu t'agaces pas. Y'a pas de stress. Donc toi, petit taquet dans la nuque, tu te fais écraser par quelque chose visiblement. Toi tu restes planté là, très bien. J'aimerais identifier tout le monde. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Monsieur l'agent. Mort, on peut le dire, t'as été écrasé par quelque chose, quoi. T'as été écrasé, c'est où écrasé? Y'a pas écrasé? Qui on peut l'empoisonner? Écrasé. Monstre, pierre, caisse. Pour l'instant, on va maintenir caisse. Okay. C'est pas grave, t'es caté. Qu'est-ce que c'est que ce truc, donc? Qu'est-ce que... C'est pas une caisse. C'est pas une caisse que vous trimballez les mecs. Qu'est-ce que vous trimballez les mecs?
les mecs. Arrêtez vos conneries, les mecs. Qu'est-ce que vous trimballez, les mecs? C'est pas une bête en fait, tuer genre. Je sais pas. T'as été écrasé par quelque chose. Je sais pas par quoi t'as été écrasé, c'est bizarre. On aura pas de news là-dessus. Désolé, on aura pas de news là-dessus. Ah, il y avait un mec par terre, j'ai pas fait gaffe. Is a solid meal, boys. Have them now. Take it slow. Want it, gentlemen? There's a pretty shell here. Let's have a look. No, get back. Un lien avec tout ça, toi. Toi, t'es genre peut-être chirurgien second. Je te vois un peu trop souvent traîner dans le coin. On a toujours pas déterminé le bossman dans second non plus. Alors c'est toi. Mais non, toi t'es matelot. On le sait. Toi, je vais miser sur le fait que tu es chirurgien en second.
l'école qu'ils ont ramené, qu'ils auraient peut-être pas dû ramener, les braves gens là. C'est un beau bordel cette histoire. Alors, je suis mort de quoi tu t'es pris un coup, hein, pas des pointes pour autant. Soyons précis bien sûr. Hein. Il est mort. Il s'est pris un coup de. Il s'est pris un coup, oui, mais va pas falloir le dire comme ça. T'es frappé par une queue de quelque chose, une créature monstrueuse. C'est bien ça. Merci d'avoir fait ce travail de traduction pour moi. C'est fort aimable. Et donc toi, on peut dire que tu es effectivement toi là. Tu es mort écrasé par un monstre. Dirais-je. What the hell is going on? What do you know about these things? About the chest and your dead friends? This is very dangerous. Shell? What shell? Alors, tu es mort en palais. Hein. Merci. Tu es mort en palais. Le pal, c'est à la mode. Alors moi, je t'aurais bien vu adjoint du Bosco. Et c'est tout.
change de chapitre en fait, ok. Ah, voilà, de la fumée blanche. Eh, fais le tout. I have treasure! I yield! Hold your fire! Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir être... on va pouvoir identifier, je crois, toute une tribu. Pas toute une tribu. Pas une tribu, c'est... je sais pas si on va dire une ethnie, une origine, enfin des individus originaires d'une nation qui sont tous les Phomos ou je sais plus quoi, là. Les Phomos. Oh merde, ils ont tous des noms différents. Oh la chienlise. Merci. Ah, merci. Et ils sont 4, ils sont pas 3. Oh. Oh, oh, oh. Trois passagers, une passagère, ceci. On peut peut-être déjà identifier la passagère, qui, je pense, si on voit les croquis de la vie en mer. Ouais, royauté de Phomos, voilà, c'est tous ces braves gens. Elle. Non, mais je sais quand même, mec. Je crois pas que je vais rester les bras croisés non plus. Je les ai dû les louper, je les ai loupés. Je les ai loupés 15 fois. Ah, ils étaient là. Passager. Toi, je l'ignore encore. J'ai pas le... à savoir qui tu es, en fait. Je voudrais d'abord retourner sur lui. Désolé. Parce que j'ai oublié de le marquer qu'il s'est tué par moi. Ah, ça y est, un peu. Ahoy!
way! Recover, Jabar! Wait! Don't shoot! I have treasure! I yield! Hold your fire! C'est bon. Shotia! Savoir si c'était planté dedans ou si on a une trace de quelque chose, un petit poids, donne-moi une idée quoi. On a des points de sang, mais lui aussi il a des points de sang. Je sais pas de quoi elle est morte. Elle est morte.
breathing? Can you roll? Nichols, sir, shoot them for God's sake! Alors là, on a beaucoup d'infos. Déjà, là. Je peux dire commenter dans en tout cas. Ouais, enfin c'est pas ici. J'ai pas le droit de le dire pour l'instant, très bien. On le dira tout à l'heure. Donc, le vieux t'a poignardé. D'autres choses qu'on sait sur. Ah donc elle d'accord, ça y est, maintenant on sait, c'est fait niaquer. Il a bien une lance en travers de la gorge, putain. Bon fun, hein. C'est que ça de chez moi. Alors oui, mais enfin t'es lequel, toi? Toi t'es celui-là, ok. Hagan, t'es encore en vie? Tu peux ramer? Oscou? Coles, monsieur? Mais tirez-leur dessus, pour l'amour de Dieu. C'est le mort qui parle. On est censé avoir d'autres mecs genre Wagan, tout ça, tirer leur dessus. Donc toi, clairement, tu peux pas t'appeler Wagan. Là, le vieux va te faire la peau, tel quel. Okay. Alors, allons-y, c'est l'heure de commencer à résoudre qui vous êtes. Donc toi, on sait pas qui t'es. Tu es un lieutenant, à mon avis. Nichols. Est-ce que par hasard, tu serais Nichols, le second lieutenant? A été battu d'un coup de feu par un assaillant inconnu. Certes, c'est possible. Je ne sais plus quand est-ce que tu es mort et qui t'a tué. Donc, mais c'est possible. Quel souvenir t'apparaît où? Oui, attends, faut que je finisse par la fin. C'est toujours un peu spécial. C'est super spécial. Attendez, tout est super spécial, vous inquiétez pas. Tout est super génial. Hagan, t'es encore en vie, tu peux ramer. Secours. Nichols, monsieur. Mais tirez-leur dessus, pour l'amour de Dieu. Oh, putain de merde. C'est sûr, c'est toi. T'as le chapeau. Ou Hagan, ça va être un mec avec une tête d'Irish. Est-ce qu'on peut savoir d'ailleurs sur ma liste d'équipage? J'étais en train de réfléchir à un truc tout à l'heure. Sur les Formos là. Fornos. Non. Je voulais voir s'il y avait des particules communes de nom qui auraient pu nous aider à déterminer le. Bref. Non, ce n'est plus indéterminé. Tu as été croqué.
Abattu, non, toujours pas. Brûlé, chute, coup, décapité, démembré, dévoré. Le mot pourrait s'y prêter. Étrangler, explosion, frapper, gelé, lacérer. Frapper, que ça vaut. Suicide, tir, vieillesse, vivant. Dévorer peut-être ? Peur une créature ? Je sens que le mot n'est pas exact. Pourquoi je le sens gros comme une montagne ? Je sens gros comme une montagne que dévorer, c'est pas le mot. J'accepte de garder ça. J'accepte de garder ça pour l'instant. Parce que t'as pas été mangé en soi. T'as été tué à grands coups de gueule, quoi. Ah, c'est chiant. Comment on fait ça? Comment je décris ça? Qu'est-ce que c'est? T'as pas été dévoré. T'as pas été abattu par une flèche. Ce n'est pas un mauvais coup non plus. Tu n'as pas été décapité, tu n'as pas été démembré, tu n'as pas été donc du coup dévoré. Tu n'as pas été écrasé, ni électrocuté, ni empalé, ni empoisonné, avant que ce soit une attaque de poison. Enfin, tu t'es fait attaquer la jugulaire, donc... Tu n'as pas été étranglé. Explosion, frappé, aile, queue, sabot, bah, y a pas croc, hein, donc, dedans, hein. Voilà, noyé, suicide, tir, vieillesse... On meurt bien comme ça. On mourrait bien tous comme ça. Keep rowing! Il met quoi là? Major! Where is it? There! Something there! I see it! Give us a weapon! Shoot! Mike and I! Pick up the oars and row, you fools! On a des infos. On a des infos. Serré, mais je pense que surtout tu vas te faire noyer. On aura l'info derrière. Ah, t'es attaché, d'accord. Il y a moins de merdier dans Game of Thrones. Donc toi, je pense que t'as envoyé 20 milieux sous la mer. Pas spécifié comment on était en train de faire la gorge. Lui pareil, est-ce qu'il a été lacéré finalement ou est-ce qu'il a été noyé? Grande question. Donnez-moi une arme. Sainte Mère de Dieu. Ah, il y en a qui parlent russe. Un russe à bord. Et du coup, j'ai une vague idée de qui c'est. Continue à ramer, ils sont là. Donnez-moi une arme. C'est pas qui tu es exactement. On pourrait avancer un peu. Ah non, avant d'avancer. Toi monsieur, je sais qui tu es maintenant. Tu es Beng. Tu es Beng. Je passe les gens sans regarder qui ils sont. Formidable. Tu es Beng. Ouais, pour l'instant je fais défiler, ils font pas mal d'infos. Keep course due east. You'll reach the Canaries in 3 days. You packed enough stores? Oh,
Aye, sir. Checked and loaded them myself. Good. Stay quiet and alert. If the wind picks up, we've no chance against the Oberdin. Shoot ya! Me one trouble! Papa won't be! That's he, let's you up! Don't they make the hurry love way to it? That's he, I quite would to him! Me talk to him, Mike, can I? Aye, shut it up! This is strange things! About monsters! De choses étranges, des histoires de monstres. Notre mec mort comprend ce qu'ils disent. D'accord, ouais, mais... trop flou pour déterminer qui tu es. Parce que des Chinois, j'en ai un petit paquet, hein, mon gars. Ah, j'ai pas d'infos. On met des noms sur ces morts, doucement mais sûrement. On a identifié deux quand même, c'est déjà beau. Même si le jeu considère que je n'ai identifié personne, donc j'ai probablement dû me bourrer quelque part. Sur la mort ou quelque chose comme ça. Des âmes ont disparu au cours des événements du présent. D'événements. Ok. Il y en a un, je crois, qui a fini de noyer. Hein. Je crois que c'est lui. Qu'il a été noyé. Non, pas par un, c'est une créature. Ok. Et ben, ça fait du cadavre. Hein. Je pense que c'est un bon moment et un bon endroit pour s'arrêter, faire une petite pause. On se retrouve à la prochaine. Dans le prochain épisode, c'était Gnorfunk sur Code d'Habitude Gaming pour Return of the Obra Dinn. Ciao.